Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 17 au 19 novembre 2020. On va voir un peu ce qui s'est passé ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. And let's go. I just was giving me everything for my Capricorn. Thank you so much. I just was giving me everything for my Capricorn. What's going on with my Capricorn? What the fuck is that? Les Capricornes. Les Capricornes, j'espère que vous n'êtes pas dans les problèmes. Hein, mais les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes ici dans des problèmes. Ou encore, vous avez ici des gens qui vous cherchent des problèmes. Pour ces bâtiments, vous faites attention à la violence, d'accord? Faites attention à des coups bas, des arrestations, la violence. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation amoureuse, il est aussi probable que vous en avez votre claque de votre partenaire, vous en avez votre claque ici d'une personne. Vous ne voulez pas qu'une personne rentre en contact avec vous, vous ne voulez pas qu'une personne vous écrive. Il est probable que vous êtes ici très très défensif ou défensive. À l'égard d'une personne. Pour une autre partie, vous l'avez aussi probable que vous avez l'impression que votre partenaire aime trop, you know, mettre... inviter des gens dans votre relation. It's like, si toi et moi on est ensemble, n'emmène pas ta famille, n'emmène pas ton frère, n'emmène pas ta soeur dans nos problèmes. D'accord? Oui, ça va être aussi probable que c'est à peu près ce qui se passe ici avec vous, dans le sens où it's like, vous avez l'impression que vous n'avez pas une certaine intimité avec votre partenaire parce que ce dernier, somehow, ou cette dernière, somehow, raconte votre vie privée à tout le monde. Il est probable même que vous avez eu à plusieurs reprises plusieurs conversations avec votre partenaire quand il s'agit de ça, mais à la fin de la journée, il ne fait que reprendre et recommencer all the time la, you know, sa manière de faire, sa manière d'agir. Vous ne supportez plus tout ça. Pour une autre partie d'entre vous. On est ici dans une situation as well. Où il est par contre probable que on a ici quelqu'un qui est aux aguets, d'accord? On a ici quelqu'un qui est aux aguets, qui vous attend aux aguets. Comment expliquer ça? C'est sûrement ici quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, dans un certain sens. Donc sûrement vous êtes là, vous êtes célibataire. Et on a cette personne qui est aux aguets. Pourquoi vous n'êtes plus avec cette personne? Vous n'êtes plus avec cette personne à cause de ses amis. Vous n'êtes plus avec cette personne à cause des membres de sa famille. Parce qu'on a ici votre, peut-être votre partenaire qui a toujours été contrôlé par ces gens-là quand il s'agit de sa relation amoureuse. Et c'est la raison ici pour laquelle cette relation n'a pas marché, cette relation n'a pas évolué. Il est probable que vous n'aimez pas les amis de quelqu'un, vous ne vous cachez même pas, vous le dites à plein midi sous le chaud soleil, tes amis là, je ne les aime pas. Tes parents, vous les revoir. Vous ne vous cachez pas. Hein? Et si aujourd'hui vous n'êtes plus avec quelqu'un, c'est à cause de tout ça. Et puis c'est un parti dans vous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que votre nom est encore revenu sur la table. Pourtant vous n'êtes plus avec quelqu'un, mais votre nom est revenu sur la table. Une conversation vous concernant est revenue sur la table. On a les amis même de votre partenaire qui vous espionnent. Tout le monde vous espionne. Yoïk, je ne vous connais même pas.
un peu le temps de converser. Vous avez déjà gâté la relation des gens. Je vous connais peu pas. Je vous connais peu pas. Je vous connais même pas. Vous êtes là en train d'espionner les gens. On a la mère de quelqu'un aussi ici là qui n'arrête pas d'espionner. Ça soit disant entre parenthèses, entre guillemets même, hein, belle-fille. C'est pas ta belle-fille. Elle a dit qu'elle veut plus de ton fils. Elle a bien dit ça. Demande à ton fils ce qui s'est passé. Elle lui a bien dit. Toi et moi là, c'est fini. Je sais pas pourquoi je vois aussi quelqu'un ici qui a le fétiche des pieds. Elle a dit à ton fils, toi et tes conneries de machin là, c'est fini. Espèce de pourriture. Lala, calme-toi. C'est votre cœur. Après, c'est un parti d'entre vous. Il y a plein de personnes aux aguets qui sont là, qui attendent. Je ne sais pas s'ils attendent votre retour, votre conversation. Il y a quelque chose qu'ils attendent. Bon, que vous, ce n'est pas votre problème. Vous savez qu'on vous espionne. Vous savez que, you know, ce sont des gens très négatifs right now. Et vous essayez juste de rester à distance. Yep, told you. It's like, no. Ça, c'est mon passé. Que le passé reste dans le passé. Que toutes ces personnes avec leur truc négatif restent dans le passé. Vous avez fini de gâter ma relation. Restez là-bas. Vous, oh. Votre fils, oh. Ou votre fille, hein. Hein? So, vous, oh. Votre fils, oh. Votre fille, oh. Restez là-bas. Ami, pas ami. Employeur comme employé. Restez là-bas. C'est parce que c'est la partie dont vous avez décidé de ne plus faire marche arrière. Je ne fais plus demi-tour. C'est fini. Vous n'avez pas besoin de parler, de discuter, de réouvrir un dossier poussiéreux. Ce n'est pas la peine de venir réouvrir un dossier poussiéreux. Il y a corou, machin, truc partout. Ta poussière là, pardon. Avait décidé d'avancer, ne pas regarder en arrière. Look at this mess. But, c'est un peu comme si vous voulez aller en arrière, en avant, et on a ici quelqu'un qui attrape votre pied pour vous ramener en arrière. Ça, non, laisse mon pied. Laisse mon pied. Laisse mes deux pieds. C'est quoi ton problème? C'est quoi? C'est quoi? On ne peut pas vivre, on ne peut pas respirer. Laisse-moi tranquille. C'est quoi? Pour une partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi. Je vois aussi quelqu'un ici qui essaie d'espionner votre succès. What? It's crazy, that bitch. It's crazy. Mais c'est quelqu'un qui essaie d'espionner votre succès. Et tout. Il est même probable que vous avez ici affaire à des gens qui ont eu à parier sûrement que vous n'allez jamais rien devenir dans votre vie. Mais aujourd'hui, ils sont tous là, ils ont tous perdu leur pari. Pour une autre partie, c'est peut-être les parents de votre partenaire qui avaient dit à votre partenaire, écoute, celle-là ne l'épouse pas parce qu'elle n'a rien, elle n'a rien, personne ne la connaît. Hein? Et si vous êtes une femme, peut-être vos parents ils vous ont dit, hein, celui-là, laisse-le là-bas. Il n'a rien, il n'est rien, il ne travaille pas, ses parents ne le connaissent pas. Tu as besoin d'un homme vrai. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, les anges vous parlent de 5, pour une certaine partie d'entre vous, d'autres 3. Et pour une autre partie d'entre vous depuis 2017, on a des gens qui vous observent et qui voient ce que leur cœur ne peut pas supporter. Votre succès, votre éclat. Tout cela comme ça, des aigris comme pas possible. Le pire, il y a les anges qui me parlent de tous ces aigris là qui veulent carrément réapparaître dans votre futur. Ça me rappelle quelque chose que j'avais vu un jour là. Le passé veut faire partir de ton futur, pardon, reste là-bas. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les scorpions, les verseaux, les balances, les jumeaux, puis bye.